Tu vérifies bien que tu as fait tes remises à zéro. Là, je mets rase. Voilà, les deux. Grand départ ce matin. Beaucoup de stress. Ah, c'est parti. Je tamponne ma feuille de route comme quoi on a passé la première balise H1. Ça paraît bizarre parce qu'elles sont toutes parties là et puis moi je devrais partir là. Donc on va aller dans la voiture pour réfléchir un petit peu ce qu'on va faire. Voilà, chut, ouais. Cap 208. Et ben là, on s'est ensablé, on est monté jusqu'au drapeau, on est redescendu en marche arrière et on s'est ensablé. Tu klaxonnes une fois quand tu es prête. D'accord. Je te réponds, je klaxonne deux fois. Deux fois. Quand tu vas enclencher la marche arrière et que tu vas démarrer, tu klaxonnes une fois. On a tanké une première voiture, la 113, donc notre voiture. La 118 est venue gentiment nous aider, mais commence à se tanker, donc on arrête et on a une troisième voiture. On va se faire la queue leu-leu en fait. On va sortir les voitures au fur et à mesure. On a tapé toutes les balises, donc déjà ça met en confiance. Et puis là, on est parti pour déboucher après sur la mer, donc on croise encore les doigts. Je suis assez fière de mon installation. En temps normal, on est vraiment les dernières du classement en termes d'organisation. C'est une catastrophe notre voiture. Et là, j'avoue que je suis pas mal. Petite calculette, petit stabilo, la rose des vents pour moi et pour ma pilote. Franchement, il n'y a plus qu'à. C'était que du bonheur. Ah ouais, c'était hyper bien. C'était bien. Ouais. On s'est fait plaisir et on a topé tous les points. Super, franchement. Ça se passe super, super matinée. Franchement. Et maintenant on change copilote, pilote. Attention les vélos.